Assalamu alaikum ya Talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante, pour un nouveau cours dans le domaine de la sirah, donc de la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Alors ce cours va s'intéresser à la notion de Quraysh. Nous allons essayer de déterminer qui sont les habitants de la Mecque. Pour pouvoir bien comprendre les différentes péripéties qui vont se manifester durant la vie du prophète alayhi salatu wa salam, il est nécessaire, il est même fondamental de maîtriser précisément qu'est-ce que veut dire le terme de Quraysh. Quel est le passif de Quraysh, mais également quelles sont les différentes factions que nous allons retrouver au sein de ses habitants qui vont expliquer par la suite certaines prises de position. Alors vous allez voir que dans ce cours, nous n'allons pas rentrer dans des détails, nous allons simplement présenter de manière très superficielle les différentes composantes de Quraysh et les cours suivants, Inch'Allah Ta'ala, vont nous permettre de rentrer davantage dans les détails. Par contre, tout ce que nous allons proposer aujourd'hui, il est nécessaire de l'apprendre quasiment par cœur pour par la suite avoir une certaine facilité dans la compréhension des différents événements de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Très bien. Donc commençons tout d'abord avec une notion fondamentale, la notion de Quraysh, mais également ces différents clans, ce qu'on appelle en arabe « al-Butun ». Avant d'exposer tout cela, permettez-moi une petite introduction. Dès lors qu'on parle de Quraysh, il est important de comprendre que ce n'est pas à saisir comme un bloc monolithique. Tous les Quraysh sont à considérer au même niveau, absolument pas. Il y avait à l'intérieur différentes sous-tribus qui étaient concurrentes les unes des autres. Il y avait de l'animosité, il y avait des rivalités, il y avait des tribus beaucoup plus fortes que d'autres, ce qui va par la suite nous expliquer les raisons pour lesquelles certaines tribus vont se soulever contre le prophète alayhi salatu wassalam, tandis que d'autres vont suivre plus facilement le message de l'islam. Vous allez voir également qu'il y a une distinction que nous allons faire entre principalement trois sous-tribus, les Banu Hashim, les Banu Umayya et les Banu Makhzoum. Les autres tribus sont légèrement moins importantes pour pouvoir comprendre les actions qui vont se réaliser par la suite. Très bien, commençons tout d'abord avec une question relativement simple. Que signifie le terme de Quraysh que nous retrouvons dans le Coran? Alors en langue arabe, vous avez un principe qu'on appelle al-ishtiqaq, la dérivation. En langue arabe, on dit également, pour parler du requin, al-qirsh, d'accord? Et donc, selon Ibn Abbas, le terme de Quraysh est le diminutif du requin. Donc, Quraysh littéralement signifierait le petit requin. Et lorsqu'on interrogea Ibn Abbas sur les raisons pour lesquelles les Arabes se sont nommés de cette manière-là, Quraysh, les habitants de la Mecque, il dit que c'est un poisson qui a l'ascendant sur l'ensemble des autres poissons, qu'il mange les autres et qui n'est jamais mangé. Voilà l'explication d'Ibn Abbas. Vous avez une deuxième explication qui serait dérivée du terme de taqarrush, pour parler en arabe de l'ishtimer, la réunion. Pourquoi? Parce que ce sont différents clans et familles qui se sont réunis à la Mecque pour pouvoir vivre ensemble. Très bien. Maintenant, également, qui est Quraysh? Parce que vous allez voir que Quraysh renvoie à un individu, celui qui a rassemblé toute cette personne-là. Vous avez deux versions chez les historiens. La première personne est Fihr ibn Malik, l'un des aïeux du prophète alayhi salatu wassalam. Certains disent non, cela fait référence à Nadr ibn Kinana. Donc c'est une divergence à connaître qui n'a pas véritablement d'impact sur la suite des cours. Poursuivons. Les trois grandes familles de Quraysh, on vous a dit en introduction du cours qu'il fallait bien distinguer les trois grandes familles de Quraysh entre lesquelles il y avait une forte rivalité, les Banu Hashim, les Banu Umayya et les Banu Makhzoum. Commençons tout d'abord avec les Banu Hashim. Pour information, le terme de Banu en langue arabe signifie enfant de, fils de. D'où le terme de Banu Israël, les enfants d'Israël. Israël n'était autre que Jacob, Yaakoub. Très bien, donc commençons avec les Banu Hashim. Les Banu Hashim est la tribu du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et la tribu la plus importante des Quraysh, dans laquelle le pouvoir était rassemblé. C'est également la tribu de Ali, le cousin et le gendre du prophète alayhi salatu wassalam. Ali n'est autre que le fils de Abu Talib, celui qui va devenir à la mort d'Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Talib va devenir le chef de la Mecque.
Mais Ali est également le gendre du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que Ali va épouser la dernière fille du prophète, alayhi salatu wassalam, à savoir Fatima al-Zahra. De cette union va naître al-Hassan wal-Hussein, les deux fils, les deux petits-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. On va retrouver également Abd al-Muttalib, un individu extrêmement important qui est le chef de la Mecque, mais qui va également être le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est Abd al-Muttalib qui a rencontré Abraha lors de l'épisode de l'éléphant. Vous savez, lorsque Abraha est venu du Yémen pour tenter de détruire la Kaaba. C'est Abd al-Muttalib qui allait le voir, qui l'a rencontré et qui a discuté avec ce dernier. Poursuivons également, vous avez chez les Banu Hashim, les oncles du prophète, alayhi salatu wassalam, Hamza, que vous connaissez toutes et tous, et qui est tombé en martyr pendant la bataille de Uhud. Également Al-Abbas, à ne pas confondre avec Ibn Abbas. Ibn Abbas est le fils de l'Abbas, qui est l'un des oncles du prophète, alayhi salatu wassalam. Dès lors qu'on parle du Coran, de l'explication du Coran, on parle constamment de Ibn Abbas, le fils de l'Abbas. Également, vous avez Abu Talib, donc le père de Ali, celui qui va être le protecteur du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui va avoir un rôle central pendant l'époque mécoise. Vous avez également Abu Lahab qui malheureusement n'a pas du tout accepté l'islam. Le Coran a même révélé des versets concernant cet individu qui a rejeté l'islam et qui a combattu de manière acharnée le prophète alayhi salatu wassalam avec son épouse Ummu Jamil, la sœur d'Abu Sofiane que nous verrons par la suite de la tribu des Banu Umayya. D'accord ? Très bien. Et ce sont les oncles du prophète alayhi salatu wassalam. Poursuivons. Vous avez par la suite les Banu Umayya. Les Banu Umayya étaient les concurrents directs de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, à savoir des Banu Hashim. Banu Hashim étaient les chefs de la Mecque. Ils contrôlent la Mecque au niveau politique, mais bien évidemment partageant ce pouvoir avec les Banu Umayya et les Banu Marzoum. Par contre, en termes de prestige, vous aviez les Banu Hashim constamment qui étaient au-dessus. Donc les Banu Umayya, vous allez voir que ces derniers vont donner les Omeyyades. Vous allez voir qu'en 41 de l'Hégire va être instauré Ad-Dawla al-Umayya, donc l'Empire Omeyyade, par l'intermédiaire du fils de Abu Sofiane, à savoir Muawiya ibn Abi Sofiane. Regardez bien, son chef pendant la mission prophétique n'est autre que Abu Sofiane, le fils de Harb, fils de Umayya. D'ailleurs, je vous avais dit que Banu Umayya, ça veut dire fils de. Donc, les Banu Umayya sont les descendants de Umayya. Umayya a eu un fils qui se nomme les Harb. Ce Harb a eu un fils qui s'appelait Abu Sofiane. D'accord ? Abu Sofiane, le chef le plus important de la Mecque au moment où le prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu le message. Très bien. C'est une tribu très riche, mais également très influente, en grande rivalité avec les Banu Hashim, comme vous avez pu l'entendre. Mais c'est également à cause des liens, à cause de la rivalité que l'on retrouvait entre, d'un côté, les Banu Hashim et d'un autre côté, les Banu Umayya, c'est une tribu qui va rejeter l'islam. Parce que accepter la religion du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est, dans la conscience arabe de l'époque, être inféodé aux Banu Hashim. Ce que de nombreuses personnes de la tribu des Banu Umayya vont rejeter. Alors, ce n'est pas une règle générale, c'est une règle absolue, c'est une règle qui va être suivie dans sa généralité. Vous allez trouver bien évidemment des exceptions. L'exemple le plus flagrant est celui de Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, le gendre à deux reprises du prophète alayhi salatu wassalam, qui va accepter l'islam et qui va être même parmi les premiers à accepter l'islam et qui est de la tribu des Banu Umayya. Très bien. Poursuivons. Vous allez trouver par la suite également, Abu Sofiane était le chef de la rébellion contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et on comprend maintenant pourquoi c'est Abu Sofiane qui était le fer de lance de la rébellion contre le prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'il était dans une tribu rivale, directe. Elle était constamment à la deuxième position comparée au Banu Hashim. Donc à la mort de Abu Talib, dans la logique des choses, il fallait que ce soit le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, qui prenne le relais, le pouvoir de la Mecque. Le problème, c'est que
Le prophète alayhi salatu wasalam a reçu la révélation. Un problème entre guillemets, comprenez-moi bien. Le prophète alayhi salatu wasalam a reçu la révélation. Quraysh, dans sa grande majorité, va rejeter le message du prophète alayhi salatu wasalam, ce qui va conduire à l'émigration. C'est la raison pour laquelle à ce moment-là, le pouvoir, le prestige va basculer des Banu Hashim à la Mecque au Banu Umayya. Et c'est la raison qui explique pourquoi Abu Sufyan est devenu le chef incontesté de la Mecque. Poursuivons. Muawiya, le fils d'Abu Sufyan, va être le fondateur de l'Empire Omeyyade en 41 de l'Hégire. Et vous allez voir constamment, même après l'islam, une rivalité entre d'un côté les Banu Hashim et de l'autre côté les Banu Umayya. Une rivalité entre guillemets, hein, comprenez-moi bien, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre d'un côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'autre côté le chef de la rébellion Abu Sufyan qui va accepter l'islam par la suite. Ensuite, pendant l'épisode de la grande fitna à la suite de l'assassinat du calife, du troisième calife Uthman, vous allez retrouver l'explosion ou plutôt l'émergence de ce qu'on appelle la grande fitna, une guerre entre certains compagnons. D'un côté Ali qui va être le chef légitime et Muawiya qui va se rebeller contre eux. Ali et va lui contester le pouvoir. Ensuite, à la mort de Muawiyah, à la mort de Ali, vous allez retrouver également une émergence d'un conflit entre le Hussein, le petit-fils du prophète alayhi salatu wasalam, et Yazid ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah, avec l'assassinat, la mort de l'ensemble de la famille, malheureusement, du prophète alayhi salatu wasalam, sous l'impulsion de Yazid ibn Muawiyah. Très bien. Poursuivons. Ensuite, vous avez les Banu Makhzoum. Alors, les Banu Makhzoum vont être généralement installés à la troisième place dans la rivalité entre les Banu Hashim, les Banu Umayya et les Banu Makhzoum. Regardez bien. Tribu concurrente des deux précédentes, mais généralement reléguée à la troisième place. Tribu d'Amr ibn Hisham. Peut-être ce nom actuellement vous dit rien, mais c'est un personnage central dans la Sira. Et surnommé Abu al-Hakam par Quraysh. Al-Hakam fait référence à la sagesse, à l'intellection, à la connaissance. Par contre, vous allez voir que également Amr ibn Hisham va intégrer seulement à l'âge de 25 ans ce qu'on appelle Dar al-Nadwa. Le conseil, on pourrait appeler ça l'assemblée des sages, le conseil des sages, l'endroit où les dirigeants les plus importants de la Mecque se réunissaient pour pouvoir débattre de la vie politique. Le problème, c'est quoi? C'est que Amr ibn Hisham va être surnommé par le prophète alayhi salatu wasalam Abu Jahl. Ah, maintenant, vous le connaissez, je pense, toutes et tous, hein. Qui est Abu Jahl? Pourquoi? À cause de la persécution, du refus, de la révolte à l'apparition de l'islam. Abu Jahl va être l'un des ennemis les plus virulents contre le prophète de l'islam, alayhi salatu wasalam, mais également à l'encontre des compagnons. Il va participer au châtiment. À l'idée de punir toute personne qui n'a pas de garantie à la Mecque, qui n'a pas de protection à la Mecque. Très bien. Donc, il faisait partie des Banu Makhzoum. On expliquera plus tard, Inch'Allah Ta'ala, si Dieu nous le permet, de manière un peu plus précise, chaque individu. Comment il a accédé à l'islam ou comment il a refusé l'islam? Quelles sont ses principales caractéristiques? Aujourd'hui, alors il y a beaucoup de choses à dire sur Abu Jahl, mais sincèrement, je me limite uniquement à ce que nous disons actuellement de manière très superficielle pour ne pas perturber. Parce que la problématique de l'histoire, c'est que vous avez beaucoup de noms et ça risque effectivement de perturber l'étudiant. Donc on a une présentation holistique initiale qui va par la suite va découler vers une présentation un peu plus précise des différents personnages. D'où l'importance de commencer dans l'ordre. Commencez par savoir qui sont les Banu Makhzoum, Banu Umayya, Banu Hashim, très bien, quelle rivalité existait entre les différentes tribus, où puis-je localiser par exemple Hamza, Al-Abbas, qui est-il, etc. pour à la suite avoir plus de facilité dans la compréhension des événements. Regardez bien, vous avez par la suite le deuxième grand personnage, Al-Walid ibn al-Mughira, qui, je le dis pour l'instant mais ce sera vu par la suite, va être mentionné de manière implicite dans différents passages du Coran. Et c'est le père de Khalid ibn al-Walid, que vous connaissez toutes et tous, l'un des plus grands guerriers, l'un des plus grands combattants que le monde ait connu, et pas simplement l'islam. Très bien. Personnage important et leader influent chez les Quraysh. Extrêmement important parce qu'il était considéré comme un sage, un grand connaisseur de la poésie, un grand connaisseur de l'histoire des Arabes, ce qu'on appelle Ayyam al-Arab, al-Walid ibn al-Mughira.
Ce dernier changeait à lui seul l'étoffe de la Kaaba, alors qu'une année, alors que Quraysh dans sa totalité changeait l'étoffe de la Kaaba l'année suivante. Donc, Al-Walid ibn al-Mughira était extrêmement respecté auprès des Quraysh. Poursuivons. Les autres tribus maintenant. Donc là, on a parlé des trois principales tribus que nous allons rencontrer chez les Quraysh. D'un côté, les Banu Hashim, la tribu du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, les Banu Umayya, la tribu d'Abu Sufyan, qui va dans sa grande majorité rejeter l'islam. Par la suite, les Banu Makhzoum, avec deux individus extrêmement importants, Abu Jahl et également Al-Walid ibn al-Mughira, qui est le père de Khalid ibn al-Walid, qui va accepter l'islam la même année que Amr ibn al-As. Les autres tribus maintenant, vous avez les Banu Taïm, donc les fils de Taïm. Dans cette tribu, première des choses à savoir, c'est que vous allez retrouver deux grands compagnons, extrêmement grands compagnons. Mais c'est également une tribu relativement modeste. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne pouviez pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, considérer que les Banu Umayya étaient les égaux des Banu Taïm, ou que les Banu Makhzoum étaient les égaux de Banu Taïm. Non, il y avait une certaine rivalité. Et on savait tous que Banu Taïm était une, effectivement de Quraysh. Par contre, c'était une tribu relativement modeste. Vous allez retrouver bien évidemment Abu Bakr, qui faisait partie des Banu Taïm. C'est la raison pour laquelle, lors de l'accession au pouvoir de Abu Bakr, Abu Sufyan, donc descendant de la tribu des Banu Umayya, va aller voir Ali, descendant de la tribu des Banu Hashim, va lui dire: certes, la tribu la moins forte, al-Batn, al-Batn c'est la sous-tribu, d'accord, la tribu, la maison la moins forte vous a battu sur le plan politique, d'accord. Ce que par la suite Ali va dire, mais à partir de ce moment-là, nous prenons plus en considération les éléments de la Jahiliya. Aujourd'hui, c'est l'islam qui est arrivé, et avec l'avènement de l'islam, les conceptions de la Jahiliya sont mises de côté. Très bien. Vous allez également retrouver Talha ibn Ubaidillah, qui est l'un des 10 compagnons promis au paradis. Poursuivons. Ensuite, les Banu Adi. Également, vous allez retrouver de nombreux grands compagnons à l'intérieur de cette tribu, et c'est une tribu, tout comme les Banu Taïm, relativement modeste. Vous allez retrouver à l'intérieur Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. Très bien, vous le connaissez tous et toutes. Et également Saïd ibn Zayd, l'un des 10 compagnons promis au paradis, mais qui va être le fils de Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Vous savez, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, avant que le prophète reçoivent la révélation, vous aviez des personnes qui refusaient l'adoration des idoles, qui refusaient tout acte polythéiste. On les appelait al-Hanifiyoun, les personnes qui ont décidé de s'attacher à la pratique monothéiste léguée par Ibrahim. Parmi ces derniers, vous avez Zayd ibn Amr ibn Nawfal. Vous aviez également le cousin de Khadija, Waraqa, dans le hadith de Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam où Khadija va prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et va le ramener chez Waraqa. Vous avez également d'autres personnages comme Umayya ibn Abi Salt, des personnes connues pour avoir refusé l'adoration des idoles et des statues. Mais il va également être l'époux de Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar ibn al-Khattab. Très bien, poursuivons. Vous avez par la suite les Banu Zuhra. Banu Zuhra, alors, c'est une tribu très importante. Pourquoi ? À cause de son prestige. À cause de son prestige, et c'est également la tribu de la mère du prophète, alayhi salatu wassalam, Amina bintu Wahb. Amina bintu Wahb, de la tribu des Banu Zuhra. Et pour information, le prophète, alayhi salatu, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abd al-Muttalib, s'est marié avec Amina bint Wahb approximativement à l'âge de 18 ans. Le mariage entre les parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a duré une dizaine de jours avant la mort du père du prophète, alayhi salatu wa sallam. Amina était fille unique. Elle n'avait ni frère ni sœur. D'où l'expression, d'où la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas de khal et de khalat, des oncles paternels, des maternels et des tantes maternelles. D'accord ? Il considérait le prophète alayhi salatu wassalam comme Sa'd ibn Abi Waqqas, comme l'un de ses oncles maternels. Pourquoi ? Parce qu'il faisait partie de la tribu de la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Donc vous avez Sa'd ibn Abi Waqqas, l'un des compagnons les plus importants du prophète alayhi salatu wassalam, mais également l'un des 10 compagnons promis au paradis. Et vous allez également retrouver Abd al-Rahman ibn Auf,
l'un des compagnons également les 10 premiers, parmi les 10 premiers, premiers au paradis, pardon, et qui va être l'un des compagnons les plus riches. C'est lui qui va s'occuper financièrement des épouses du prophète alayhi salatu wasalam après la mort de ce dernier. Très bien. Ensuite, intéressons-nous à la dernière tribu, les Banu Jumah, avec des personnages extrêmement importants malheureusement dans le mal. Alors c'est une tribu relativement modeste, vous allez retrouver Umayya ibn Khalaf. Pour les personnes qui ont déjà vu le film Ar-Risala, le message, la vie du prophète alayhi salatu wasalam, celui qui va être considéré comme le torsionnaire de Bilal n'est autre que Umayya ibn Khalaf de la tribu des Banu Jumah. Il va également mourir pendant la bataille de Badr, tout comme Abu Jahl par la même occasion. Vous allez retrouver Ubay ibn Khalaf, et c'est le seul individu, comme j'ai mentionné ici, qui va être tué de manière connue et sourcée par le prophète alayhi salatu wasalam pendant la bataille de Uhud, où va mourir également l'oncle du prophète alayhi salatu wasalam, Hamza. Voilà, en espérant que ce cours vous a été intéressant, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.